Je commence à être fatigué et avoir du mal à avancer la construction. Comme ça, exactement de ce genre et ici, non, oui c'est la première fois, mais j'ai toujours fait des sculptures, des peintures, des... et j'ai toujours fait des choses liées à... Enfin, j'ai fait énormément de choses liées à l'urbanisme et à l'architecture. Mais des choses comme les bateaux, là j'en ai fait des centaines, peut-être même des milliers. Des constructions de ce genre. J'ai commencé par l'escalier qui est tout là-bas, au bout, sous la sculpture du fou. Ensuite j'ai fait toute la vieille ville. J'ai fait le pont qui traverse là, avec des messieurs qui le soutiennent. Ensuite je suis monté en direction de la cathédrale. Après j'ai élargi la ville qui était sur le rocher. Ensuite je suis descendu là, sur ce quartier-là, où il y a les bateaux pendus. Ensuite, j'ai fait ces deux quartiers-là. Après, j'ai rallongé le pont, j'ai refait des détails un peu partout. Et ensuite, j'ai fait le quartier qui est tout au fond, entre les quatre rochers-là. Puis, je suis remonté en longeant de ce côté. Quand j'ai fait l'ermite, là, j'ai placé les masses de terre. Parce que je savais que je voulais faire une sculpture pour l'entrée de la ville. Mais je ne savais pas encore que ça allait être l'ermite, par exemple. Et la plupart des choses, c'est comme ça. Je mets la terre. Et... Parce que je me dis, là, il manque quelque chose. Il manque une... Bah pour le cas de l'ermite c'était une sculpture, mais pour d'autres choses c'est des quartiers, c'est des zones où je me dis bah là c'est pas logique qu'il n'y ait pas des gens qui habitent ici ou des gens qui soient installés ici. Et donc je me mets à faire et ça prend sens assez rapidement en général. Ousli, viens, viens, viens Ousli, bonjour, bonjour Ousli, bonjour, oui. Magnifique. Vous permettez que je vous filme? Oui, oui, oui. Parce que moi, je vous ai loupé alors que vous êtes très sympathique et sans doute agréable à filmer. Non mais attendez, François, je vais te dire quelque chose d'étonnant. Donc je suis connu dans le monde entier pour une raison simple, je suis connu comme vendeur d'erreurs. Vendeur de quoi ? Non, mais c'est vrai. Vous avez vendu quoi comme erreur ? Eh ben, je suis le concepteur des erreurs dans les films. La montre de Bénure, les trucs, c'est moi. Donc, j'ai fait des émissions dans le monde entier. Là, je suis à mon 60e pays, et donc je fais des talk shows, et puis je fais des émissions où on doit trouver des erreurs. Mm. Sur la télévision suisse romande, avec Defy et puis Claudette. Ça s'appelait Double Vue. Ah, mais c'est vous qui cherchez les erreurs dans les films, oui. Et qui les mettez en avant. Voilà. Non, c'est-à-dire que pour Canal+, je faisais mieux. Alors Canal, je faisais venir le réalisateur pour qu'il m'explique pourquoi il a fait cette trompé. Erreur. Oui, les erreurs que personne ne savait. Et lui, oui, il a dit, mais quel enfoiré. Et alors, donc, j'ai rencontré beaucoup de réalisateurs. Il y en avait un qui me faisait rire, c'était Yves Boisset, donc, qui était un alcoolique. Alors, pendant l'émission... Attention, vous êtes filmé. Il s'est torché quand même 3 bouteilles. Pendant l'émission, 3 bouteilles. Mais du coup, vous animiez une émission ? Oui, oui, sur Canal. Ouais. Et alors, un peu comme, à l'heure actuelle, comment ça s'appelle ? Où ils détectent les faux raccords, voilà, et les... Ouais. Ouais, tout ça, donc les... Ouais, ouais. Et alors moi, je suis... personnages historiques qui portent des baskets pendant le film, ce genre de choses. Mais ça, alors moi, je l'ai fait, j'avais 11 ans. Vous avez commencé à... À 11 ans. Donc vous êtes cinéphile depuis tout petit. Non. À 11 ans, je trouvais des erreurs dans les bandes dessinées. Que j'envoyais ça à Pilote. Et Pilote les éditer. Et puis après, je suis parti en Angleterre, et puis en Angleterre, je ne parlais pas un mot d'anglais, et puis je vais au cinéma, alors je fais une séance avec ma copine, la deuxième, je me suis fait chier, et la troisième, j'ai trouvé des erreurs.